Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Plus de 151 000 abonnés basés à Scotia Kolando à travers notre chaîne Congo Live Télévision. Actualité politique est allée dominer Kuna na Est, Réunion Kati du Congo. Le gouvernement congolais, Kosenga, Nabaï Monesco, va éclaircir mon clair par rapport à convoi Oya Monesco. C'est là qu'il a attaqué Kuna na village à Miningi. Ici, il y a trois Congolais parce qu'il y a beaucoup fois dans l'attaque à convoi. Mais aussi, il y a toujours la situation sécuritaire. Il y a Est, Réunion Kati du Congo. Oyo, j'étais civil, il y a Nord qui est précisément à Goma, Bantami marche anti, force régionale, au Bali pendant une semaine. Depuis hier, la situation économique, mais aussi scolaire, ils allaient paralyser. Kuna na Goma, tu relumes sous vidéo, Oyo, ils ont circulé, Awana, vu le professeur Kinshasa, Moko Yabi, Yabi, ce moyen que Congolais, ils allaient victimes par rapport à Varese, ou à ce que tu as identifié comme infiltré, mais aussi enfin tout comme ça, Massolo est allé loin moi dans Bokatien c'est 6 ans après qu'est-ce qu'on doit retenir ou bien qu'est-ce que le pouvoir actuel est chargé d'une voiture comme encore une fois bonjour. Bonjour, merci, merci à tous les combattants, les premiers de tous les combattants, le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oyo azali ko pemate pona koluka koluka à tout prix bonheur yaba congolais. Merci. Je salue aussi le secrétaire général Augustin Kabuya, les moines abouté du parti. Je salue également son adjoint Gaspard Mongangapili, le secrétaire général adjoint en charge de communication, mobilisation et implantation. Par cette allure à salutation, on profite de cette occasion pour saluer l'un des jeunes de Sud Kivu qui fait la fierté. Il y a Provençois Nézalimo Namboka, Christian Bati, Misale Ekosalam, la Fondation Fobak, Kuna, na Sud Kivu, on continue toujours à Kolobela, Bayi Bilenge, Oyoba Kosala, Misala Baoko, excelle. Na domaine Bongo d'entrée de Jim, Namoko Tokota Nambo, Italie politique, Arimu Kati du Congo, Namboka, avant d'aborder toutes ces questions d'actualité. Bon, monsieur Ntoutou, Namboka, toujours, comment se porte la santé politique de l'Arimu Kati du Congo? Merci. La République démocratique du Congo, ils allaient côté mola na aliment, na réalité au Tanzanie, na mo na contexte y a guerre na partie est et puis Kimia na ba province Union Soviétique na logique y a Mokonzambuka azamaki na Afrique du Sud pour na ko booster, ko discuter, ko présenter. Na lolenge sengeli pour na confronter le Congo de Lumumba, le Congo de Tshisekedi Tshisekedi et de Fumo Kimbangu. Maintenant là ils allaient cotaliser que Congo na mikolekoya toko zala lolenge mususu contrairement na lenge ya batane surtout les cas qui voilà l'importance ya kozala na président Oyo azali mwana mboka, c'est-à-dire qu'un produit local et puis azana souci ya connaissance ya topé, il y a souci à évolution, il y a développement, il y a Mbokanae, Ndenga Kenae, Koloba en Afrique du Sud, c'était une fierté, j'ai vu les gens applaudir et c'était très bien. Donc, santé à la République démocratique du Congo, il y a Ngoana, Ozomona Banzela, Ezaliko Tongama, Misala, Ezaliko Salima. Donc, moi, je suis mobile, Ezaliko Bunda de partout pour Kozanga Kopema. Après sa kimia na ba congolais surtout voilà la situation de après sa kimia na ba congolais surtout côté maman marambo et ali actualité avant de couler ben makamon là totalement une vidéo oyo et ça même quoi la ville à Kinshasa et puis nous allons revenir tout juste après pour commenter cette vidéo. OK. Allez, on va laisser. 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 Au Rwanda, et Ali Varese à Paris Saint-Germain pour éclaircir l'opinion
international, tant national, à travers notre chaîne Congolais de télévision, est-ce que vous êtes la victime et pas de Congolais parce que à la tête va raser. Est-ce que c'est normal, d'après Binokota, Arta Boitant, tandis que le chef de l'État, lors de son toute dernière rencontre avec le jeune, il a bien dit, précisé que nous ne sommes pas en guerre avec la population rwandaise, mais tandis que nous sommes en guerre avec le régime rwandais qui est dirigé par le criminel Paul Kagame. Oui, merci, merci beaucoup. Je crois que Kota la malamu au Komona que d'ailleurs nous sommes allés dans Maloba au chef de l'État à Lobaki. Allez-y. Au lobby malamu que à Lobaki tous allés na problème t na population rwandaise, mais tous allés na problème na régime Oyo il y a dictature il y a Kagame Oyo zali lelo. Mais il faut boyer que système de travail, il y a régime mango, il y a régime dictatorial, il y a lelo, il y a Kigali, il y a ngone au salaire que ba imprima ki biloko wana en collaboration ou avec un accord avec Paris Saint-Germain pour ba sala ba publicité, il y a Rwanda de partout et je vous dis que c'est le Rwanda qui a pesé pour que le Rwanda soit dans la bouche ou dans la vision, il y a Batunion, c'est Yamukili Mobima, parce que Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui est suivie de partout dans le monde. Et d'ailleurs, je vous ai toujours dit que le Paris Saint-Germain, qui est une équipe de la France qui soutient, tout le monde le sait, qui soutient les Rwanda, et donc, il pourrait y avoir, moi, connexité, moi, qu'on a niveau, il y a Oyoto Ebite, moi, niveau ACC, mais ce qui est là, par rapport à la vidéo, Moutoumoko, Nakati, il y a réalité, tout ça, il y a conflit armé, conflit diplomatique entre Bissau et Rwanda. Et na Komonate, quel est ce Congolais-là, un vrai Congolais qui admettrait que à ça la publicité à Rwanda nakatenda kunaye c'est comme deux foyers moko ils ont agressé foyer mususu siko mwana ya foyer oyo mususu bazo agressé atombolaka lokumu ya famille oyo ils ont agressé bango je n'ai pas vu ça donc ce qui est congolais avec une vareuse ba komi visite Rwanda nakati ya Congo. C'est qu'à Yébi Masolo, au Rwanda, ou bien à Sali vraiment fi, c'est un infiltré ou c'est un travail, c'est un représentant, il y a régime criminel, il y a Kigali, à on a Congo. Donc, c'est comme ça que, Congolais, ou ba Yébi réalité, na souci à Bande, qu'on a Bango Bazo Koufa na Est, na Bango Koufa qui na Kwamout. Na ba réalité ya ba liwa oyo ba ndeko na biso ba dokuta nango toko ndima ndenge nini ke mutu moko alata elamba ya ba bazo sala publicité ya Rwanda et soki peut-être na angle oyo tant que un jeune sportif amoureux ya football et qui a la supporter à Paris Saint-Germain. Il est par ignorance à la team Mayo, il y a un club préféré. Comment il pourrait être victime par rapport à un choix tandis que nous sommes dans un pays démocrate, mon amour. J'ai vu dans d'autres pays démocratiques, Salipe, Nani, Oyoni, Bapesi, Batumi Varez, Wana, Batumi Varez, il y a visite Rwanda, Ebele, Batumba Kiango et les vidéos circulent aussi. Batumba Yango, Bamindele, Batumbi. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique que mènent les Rwanda. Donc, ce qui, il y a un azo lobaque, ce qui agent, parce que un infiltré peut être joueur aussi. Qui vous dit que Kagame a oublié le secteur de football, le secteur sportif? Qui vous dit que à Bosani, si Kaba maman va mettre à Nzango? Qui vous dit qu'à Bosani, na ba marché, na banane, na banane, tout ça? S'ils se permettent, Yako, qu'infiltrer l'armée, la police, le service à renseignement, même l'enseignement, même notre enseignement, l'enseignement scolaire, hein? Éducation scolaire, ils ont équipé infiltrer, c'est quoi, Dieu merci, avec la vision chef de l'État, Tony Moua Bazo Salamatasi, à sa commission, où il commis déjà beau. Au moins, c'est quoi, ceux qui
Bolobi qui était Azanaye à mourir à football, Azanaye démocratie oblige tout ça là. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ce qui Moutouan Azali est infiltré. C'est comme ça que les hommes, les Congolais de l'autre côté, surtout par rapport à la partie Sekouna, n'a pas tumulte, il y a des gens qui ont tombé sur un véritable infiltré ou le Kolabakanga qui a armé par exemple. Très bien, moi, je suis en train de la situation sécuritaire est la République du Congo. Mais si tu as un contexte, allez-y. Ce qui est là qui peut être paix, bon, je n'ai pas aimé qu'il y ait eu la violence, mais. C'est ça parmi les actes au chef de l'État. Pas le policier, l'amba la violence, mais j'aurais préféré Tindi et Bazuye, qui ont présenté pas à service. C'est comme ça que les chefs de l'État aussi avaient. Tout à fait. C'est-à-dire que Bazuye qui a présenté le service à titré, le service on a baillé collé pour la Nina Lati et la Maya Rwanda, visite Rwanda. Pourquoi il fait la publicité du Rwanda ici au Congo, à Kinshasa, où nous sommes agressés par ces mêmes Rwanda. Donc, service à renseignement, et croyez qu'au fan de Sabien Masoloana, et puis Baïba et l'Oronini Yabusala. Donc, voilà un peu. Très bien, Mwanamboka Manoka Florent, je vous rappelle que vous êtes membre de l'UDPS. C'est avec vous que nous sommes en train de parler de toutes ces questions d'actualité. Oyoko le Mwana République démocratique du Congo. Tout bête, Makambo est allé est, la République démocratique du Congo. C'est là quelques heures, ou bien depuis hier, qu'on voit Moko et Monusco, ils allaient qui taquaient la est, la République démocratique du Congo. Ici, comme moi, trois Congolais suite à Takouana. D'abord, comment vous digérez cette information par rapport tant qu'un analyste politique, mais aussi citoyen congolais? Oui, c'est vraiment déplorable, paix aux âmes perdues, mais vous voyez que la MONUSCO nous cause toujours des problèmes. Ezali Mbala Libosote. La MONUSCO nous cause toujours des problèmes, les autorités congolaises veulent toujours de la MONUSCO. Non, tout de suite, au Yokanaki déjà, parce que la MONUSCO, par rapport à la charte des Nations Unies, on ne peut pas les faire partir brutalement. Il y a une logique, il y a un accord, il y a une organisation, et ça y est qu'au KNDP, par échéance, parce que le KNDP, le dernier lot est aussi là, en République démocratique du Congo. Mais, et ça, il y a une mission dans le Mbokanabiso, et ça, qui peut soutenir que. Qui est la paix na Mabele ya Est na Mboka ya République démocratique du Congo. Mais seulement kirié ya komona raka ba kota na kati ya ba affaire ba komi na kati ya ba logique moko ya ko sala ka mimbongo ko sala ka ba makambo yo et ko ki ko pesa biso kimiate. C'est-à-dire que kutu davantage ba komi ne ko yo kana na munguna pour ba kumbela ka bango mamandoki. Nous avons appris que na kati ya ba jeep oyo ba brûlé parce que la population. Ils ont arrêté des véhicules avec des armes et des munitions. Et je vous dis que les armes de précision, de haute précision. Okay. Et puis, il y a eu une note de Comesa, quelque chose comme ça, Comesa. Il paraîtrait, je n'ai pas lu le document, mais c'est d'après les commentaires de médias en ligne que j'ai lu, ça dit que ces documents-là attestaient son origine, c'est le Rwanda. C'est un document qui assurait la distribution des armes à partir du Rwanda. Ça dit qu'on peut faire un lien avec entre les Rwanda et la MONUSCO, c'est que la MONUSCO soit. La MONUSCO prend des armes à partir du Rwanda pour fournir servir les M23, ou soit c'est elle-même la MONUSCO qui joue un sale jeu au niveau de l'Est pour saper la paix au niveau de l'Est. Donc c'est comme ça que la population, quand il y a vigilance, on a élancé le chef de l'État depuis le 3 novembre. Mon avis que non, il faut tal la baye belo konini oyo mutuka ezo uta koto kuna ya banguna ezo ya koto tango ba se saisi nango. C'est comme ça qu'ils se sont rendus compte que il y avait des armes de haute précision, et pris par la colère, ils ont commencé à brûler ces véhicules là et voilà que avec les bousculades et c'est-à-dire que les éléments de la MONUSCO voulant se défendre, ils ont donné la mort
à des paisibles congolais. Et quand vous êtes en train de faire cette révélation en disant que Mitoukanez a un armement très sophistiqué, Kimia na kati ya République démocratique du Congo. Alors ba population oyo bazali na bokengi makasi na vigilance makasi tant ba yogi chef de l'état na Burundi ko telemela commandant EAC bango pe ba augmenter vigilance na bango alende esali ke ba kuma ko vérifier tout ce qui se passe au niveau ya circuit wana. Donc la population il s'est dit malgré tous ces efforts il y a faire des sacs au sol sur terrain, on doit aussi se mettre soutenir, sur terrain, contrôler la monnaie, voilà, par rapport à les informations qui circulent vis-à-vis surtout la population. Surtout que oyebi que population congolaise dans son ensemble bazali ko tika Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis l'avènement et le pouvoir naé accompagner. Voilà pourquoi ceux qui na moindre lancement il y a kobenga recrutement ba jeunes na kati armée ba afflué milliers armés pour na ko répondre favorablement na appel ya mokonda mboka ndenge pe alobaki que il faut beau accélérer na vigilance. Voilà que na niveau STP ba lalité bazali ko téléma ko veiller pour que chef de l'État azala décité pe afungola miso na parce que vous voyez tumulte wana ils ont tiré peu attention à l'autorité pour que décision dans le même sens que la population. Décision dans le même sens que mais président Kotala le gouvernement congolais ici que je m'accompagne en charge Kotala par le biais du porte-parole du gouvernement l'excellence Patrick Muyaya que par rapport à l'attaque ici que ce qu'on voit à Monusco que la Monusco puisse nous donner des explications claires. Kotala déjà va dire voilà quelque chose le gouvernement aussi c'est dit inquiétant par rapport à l'attaque voilà. Mais gouvernement c'est-à-dire gouvernement national. Il est gouvernement parce qu'il y a une population. Hein? Donc, le gouvernement, vous avez un second, ce qui, moi, je suis un Koufi, je suis un Congolais, je suis un second. Et Koufa, vous avez la mort naturelle, et vous avez la mort causée par un incident avec la MONUSCO. La population, ma population, il y a un second. Et gouvernement c'est-à-dire que population à tout ça là il y a une volonté à gouvernement si que population est manifestée gouvernement les circonstances la question et attaque quoi là ça est-ce qu'on perd dans le gouvernement Théo en fait. Mais non, la population, côté gouvernement, parce que le gouvernement veut voir clair sur les circonstances. Il veut voir clair par rapport aux actes posés par la MONUSCO. Très bien. Et non par rapport au mouvement, il y a population. Population, avec noblesse, tomboki, tomoli mongongo, pe balobi, non, na eloko bango ba moni kezali malamute. Mais maintenant, si koyo. Et comme il y a Liwande Nini, MONUSCO aille s'expliquer. Encore qu'il y a eu, la population a dénoncé des armes. Armes na kati ya biloko na bango, ce n'est pas pour la première fois. Tout le monde a bango na ba minéré, tout le monde a bango na ba sac, ya ba minéré, ba biloko tout ça. Quand ils font les trafics, ya ba minéré, na ba armes, tout le monde a kayango na ba vidéo. Si la population a l'objet que non, cette fois-ci, et que les gars tâtent. Par rapport à la défense utopée représailles à MONUSCO, il faut que la MONUSCO présente des explications là-dessus parce qu'il y a des Congolais qui sont tombés. Les locaux, tu la circonstance où il s'est attaqué, qu'on voit le gouvernement s'est inquiété. Pourquoi pas qu'il puisse accélérer sur le retrait total à MONUSCO directement? Non, ça déjà, la question du retrait à MONUSCO, ils ont déjà posé à niveau des Nations Unies, au Conseil de sécurité. Et si on discute, il est question
Maintenant, là, plus il y a une année, au-delà de 2024, un nombre assez important déjà au début que ndam basi babanai kokende, mais maintenant la mission a une année encore, ce qui te commune à 2024 bako, donc c'est un retrait progressif, il y a départ progressif, il y a effectif à MONUSCO, donc moyen pour accélérer yango ya pour accélérer yango dans le mbango exacte, seulement il faut que Tobeta c'était pour que Batika ba pratique ba salawa ba pratique ya ko salaka ya ba trafic ya ba armes ba pratique ya bomisa ka ba congolais na kati ya mabeyi na bango, ça personne ne peut l'accepter. Donc tout un gouvernement responsable ko ko ndimate que ba qu'il y ait des congolais qui tombent à la suite il y a la violence oyo entre autres causée par les forces à MONUSCO. Très bien mon amboka Tobeta makambo était toujours est république du Congo le tout comme on a population est plus précisément il y a très déterminé pour nous retirer d'une manière civile par eux-mêmes le civil pour baboni que effort à faire de ces alliés de termination et retirer qui même bateau bas pour visiter partout on a apparemment il y a un intérêt moko il y a balkanisation, on parle ici de la force régionale population de Pizière bah il sait qui marche moko patriotique pendant une semaine donc le bela ah ouais à un moment où donc on met dans solo ah ouais na Kinshasa les activités na ville à Goma elles allaient paralyser tant des activités socio-économiques mais aussi bah activités scolaires elles allaient paralyser qu'on a na Goma le temps où Goma la population a comme qu'on sentir que le gens qui étaient envoyés par l'Afrique Batia Kimia rien ne marche, comment expliquer cela? Ok, je crois que côté la l'olenge tout le monde comme MONUSCO a yana mboka oyo a sali plus de 20 ans mais eloko malonga ezali ko sali maté. Alors Kimia o bayagi pour appeler ça Kimia ezali ko mona naté population a yebi population a Goma surtout bango ya Nord Kivu bazali vraiment ba yebi que ce qui to tiki bateau ya EAC bango pe bakoya kozwa temps et belé omoni ndenge moye ke la kaso ki otali moyo bi ah moye indi bo seke likolo e ko pesa mbula le quoi de chef de l'état lobaki na boza la vigilant, ça veut dire que c'est un peu dire comme Jésus avait dit que soko omoni ye so lobi mais après AFC bango ke no o na lobaki bo se la moli mo santo e ko éclaircir e ko fungula bino mayele, ça dit que les langages ya Fatshi Béton ko na Burundi. Et puis si bango baba de quoi Fatia lobi boye c'est que biso il faut to ko se pelater que moni EAC ba ou misaka masolo milai et tout ça non. Bango basi basu déjà à l'avance au bi que peuple a souverain o Fati a osa la o peuple a lingi. C'est ça la volonté ya chef, c'est ça même la logique ya réalité ya article 2 na 3 ya constitution ya mboka na biso o yo ezali que le peuple en question il ne se sent pas privilégié par les autorités. Non, le peuple est privilégié. Mais quand le peuple est privilégié, on doit faire la volonté du peuple, moi, Namboka. Mais la volonté na Bujumbura, précisément na Burundi, pour assister à la session extraordinaire, il y a le comité Afrique de l'Est, le chef de l'État, en voyant son aspect, la manière dont il s'est communiqué sur le plan facial, on sentit que le chef il était inquiet par rapport à la force régionale. Pourquoi ne pas prendre de décision? Non, les décisions ne se prennent pas comme ça dans la rue. Hein, ils étaient sur la place publique. Quand il s'adressait. Quand le chef s'est plaint. Mais le chef ne s'est plaint pas. Non, il ne s'est pas plaint. Le chef ne s'est pas plaint. Aezo l'Obama Kambo. Et les langages, il y a un lobby que il faut faire attention avec les langages de Fatshi Béton. Ok. Hein? Aezo l'Obama. Les langages de Fatshi Béton en quelque sorte. Il parle. Aezo va satisfaire avec l'entourage. Non, peuple ne se sent pas satisfait. Le peuple se retrouve. Soko Lingina, et bien sûr que le peuple se retrouve. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce cas-là. Aujourd'hui, on parle de l'Est. Mais laissez-moi aborder la situation de l'Est. Prends votre temps. Omoni. À l'obi na Bujumbura, peuple mba mo va comprendre que ah mon konzabiso to yebi, to mesana to yebi ndenga lobaka. Lui il parle, akanga vu nos côtés pour asala bakara moko kote, il parle.
Et quand il parle, le col la population na yebi, il y a une symbiose entre yé na population na yé. Population comprend que non, ce qui chef a lobby boy, biso photo salandé boy. Ce qui est comme boy, biso photo salandé boy. C'est comme ça. Tant que akene ko na na gomme za ki kimia. Maintenant tant que chef a lobby, population comprend que ah, le quoi chef a lobby déjà boy, il faut biso toi attaquer déjà. C'est comme ça que la population est descendue. Mais maintenant là, est-ce que la population a tort? Non. La population fait exactement la volonté du chef et le chef fait la volonté de la population. Parce que le chef avait déjà dit que ce qui na logique na yondenge ozo ozo qui soko soutenir ba M23 ozo aider bango et que ça dommage ce qui population a se pelité pour à manifester contre eux. Et effectivement, la population qui a entendu, qui a écouté les chefs Nengwana, population a joué en haut, a branlé le corps et a sali, oh, a sali. Si bien qu'il y a eu des dérapages, mais quand même, et la volonté de la population, c'est ça ce que les chefs avaient demandé, soyez vigilants. Être vigilant. Vigilant, si Yangwana est sali, il y a des minerais, des armes, des munitions. Mais les munitions, là, sont au pays, ça a bisoté, au pays, ça a banane. C'est que vous apportez le soutien aux rebelles, aux agresseurs et pour baba victimiser kaba congolais et si ka oboye ko pesa kimia. Donc ce que zali bongo tina na bino a wezate, prenez votre bagage, pliez votre bagage et puis repartez. Mais tout que tout que non na contexte oyo ya force régionale mo na mboka, le Rwanda n'est pas membre ya communauté Afrique de l'Ouest. De l'Est plutôt. Plus là encore, le Rwanda a le droit ya ko tia contribution na kati ya structure Rwanda en Afrique. Le Rwanda a le droit au titre d'officier naé s'il s'agit d'aller défendre intérêt ou moko oyo ko consacrer cette structure en question. Et le Rwanda, c'est lui qui soutient le M23. Est-ce que vous pensez vraiment que cette force régionale et Rosal a quelque chose en face il y a M23, tandis que Rwanda, Ndemutazali, première financière, il y a M23. On peut même dire, comme vous l'avez dit souvent ici dans nos différentes émissions, que le M23, ce sont les soldats rwandais oui, plutôt. Oui, ce sont des éléments de l'armée rwandaise. Okay. Mais vous savez que le Rwanda, fait partie, il y a grande famille, il y a EAC. Mais le Rwanda, par sa contribution, a sa capacité par rapport à les autres. Mais il a eu à voir des officiers, il y a même des éléments. Effectivement, que nous, vous que avez nous même avons demandé d'expliquer. Le EAC a demandé des explications sur ça. Nous n'avons pas à nous expliquer sur l'expulsion, il y a des éléments rwandais. Très bien. Mais revenez un peu, comprenez un peu. Nous sommes, d'ailleurs, j'ai dit en passant que il faut texte wana ya EAC, il faut pas revoir. Ok. Parce qu'il y a des dispositions, il faut pas côté ça. Bah revoir uniquement pour la République démocratique du Congo. Mais oui, il n'a jamais été prévu que ceux qui entre les deux, hein, donc entre bas membres il y a communauté, deux membres il y a communauté basant un conflit et que ceux qui font ça à déploiement, il faut tous zopper. Ça dit que la République démocratique du Congo, comment Rwanda ko kotinda biso dans un conflit na ye, dans un conflit na Rwanda, si ko Rwanda atinda batu na ye et pas na biso pour baya ko sécuriser biso, vous pensez qu'ils vont faire cette sécurité? Mais c'est ça la question qu'on pose de ce, mais justement c'est ça. Alors la RDC a dit que non, je veux tout sauf le Rwanda, sauf militaire rwandais. Et nous ne savons pas que quand la force EAC Batindi Batou, ils ont fait la habité ceux qui par ont stoppé semblant ya otinda élément, parce que tous les autres là, vous voyez, pays wanani surtout il y a des ressortissants d'origine rwandaise nakati ya pays wana. Presque tous les pays, parce que l'histoire nous dit que pays où on a nions, surtout tout rwandais, d'origine rwandaise, c'est par pied dans pays où on a nions. Alors, que ce soit dans Burundi, dans Ouganda, dans Tanzanie, Topé, Zambie, Topé, tout on a, ils ont un pays, même dans Kenya, ils ont tout d'origine rwandaise, ils ont tout. Donc, on peut craindre qu'il y ait arrangement par cette histoire-là. Il peut
réussir que soit batuna bango wana ba sali sélection moko boye et ils envoient au Congo au nom il y a ba pays mususu wana. Mais quand des services de renseignement congolais s'est rendu compte qu'il y a des Rwandais à l'intérieur, parce que soit ba Rwandais bazali, soyez en sûr que toko évolue à côté ba ko te kaka plan avant que qui est l'assaut topé repris topé réaction il y a ba FRDC à tout moment. Même ceux qui bangui et à salingi à ça la makamo ils ont un avantage, tout a des avantages. Il y a munguna bako bango bako intercalé bako s'intercalé peut bako teka mi plan avant que et comme possible. Donc il y a raison au RDC à quoi il boya continue na na na. Mais quant à la demande d'explication fournie par formulée par les autorités à EAC, na ebisho que RDC a copé sa demande d'explication mon côté ce que zaka ya olobake. Nous sommes en conflit avec les Rwanda, nous trouvons ça anormal que les Rwanda nous envoient des éléments ya mboka na ye ah ezala ne tout ça eloko mon côté autant toujours kanga ben filtré ah na kati ya mabeli na biso toujours kanga bango kanga meliza envoyé ici eux-mêmes ils ont dit ça ya tina bango ah mission siko tozo rasusu bamsu ba ya de manière officielle. Quand quelqu'un est infiltré, il traite tout de manière non officielle. Mais maintenant, quand nous réceptionnons, quand nous recevons des gens officiels, bah, ils n'ont pas besoin d'avis de manière officielle pour faire des choses de manière officielle. Vous pensez qu'ils vont faire à l'avantage de la RDC ou à l'avantage du pays agresseur au Tindiban? Donc, Bissau Tozali, un pays souverain, nous assumons. Tu copies ça explication mon côté mususu kaka oyo na oti koloba wana. Très bien mon amboka tu bete makambo oyo tu kanga dossier oyo ya est avant tu bete moi quelques minutes parce que nous arrivons presque à la fin de notre émission. Tu bete makambo moi mouke ya six dernières années les qui est loi ya Sphinx, mais avant d'arriver là tu bete makambo ya est ya suka parce que bunaga na tu bete asuma sur le côté parce que bo kambela ngo déjà ba M23 parce que ça va faire aujourd'hui plus de 8 mois que bunaga n'est sous contrôle de M23 qui tient à comme on a dit que les M23 vont essayer la population de regagner leur maison. Les M23 vont promettre aux Congolais qu'ils vont sécuriser. Comment expliquer cette situation de Kitchanga? Parce que Bounagana, on n'en parle pas, parce que vous avez même pris des expressions pour nous donner concernant Bounagana. Non, na ebisio que Bitumba et Zaliko continuent. Oui, bien que Bitumbezo continue. Awa, nous sommes du côté des Sake, Bitumbezo Bounda la côté à Sake. Oui, bien qu'ils étaient arrivés à 5 km, n'ayez pas paniqué, ils sont à 5 km. Maintenant là, ils sont à 25 km. Sake, donc, tout au Bounda. Malé, mais pays, Mboka, surtout, territoire, Nzinga, Yaba, Kichanga, Bawa, puis tout ça là, c'est déjà récupéré. C'est vrai, on aura appris qu'au niveau du village Namasis, il y a plusieurs villages récupérés par les RDC. Kuchakwa et. Oui. Donc, Wana Moussala, Oyo, général Chiwewe, na équipe Mobimba, il y a FRDC, Bazali Kosala. Bounagana, général Chiwewe, Akobeta Mokara. Tozali Koya, bon, si na FCO qui est aussi récupéré, Tozo Kende. Si Koyo, le Koya Baïmbo Kanyo, surtout Baoyo, ba homologue et chef de l'État, Balobaye que non, tout privilégié, voie diplomatique, voilà. Mais vous ne vous rendez pas compte que cette voie diplomatique, ça fait continuer de couler des. Non, des la voie diplomatique, c'était leur. Oui, la voie diplomatique, c'était leur volonté. Maintenant, les chefs de l'État en avaient déjà marre. Déjà, Moussalo Assali, avec l'arrivée à Pape, d'ailleurs, l'intervention à Pape, ils ont été très magistrales. Oui, l'intervention à Pape est paralysée, une de paix en quelque sorte. On n'en parle même pas, tu as parenthèse. Même pas. Tu continues dans le dossier. Tu continues dans le dossier. Parce que le dossier à Pape, ça fait couler encre. Donc, dans le but que Pape Ayaki a bêtisé Téliko Nango. Pe amonisi na polele ba oyo bazalaka balani sikoyo mboka tozali kokende kopusana malembe ata kokuna mokonza mboka zola na voie diplomatique mais azana ba maboko mibale voie diplomatique na voie militaire monique ba FRDC bakangi maboko te bazali kosala musala ya ko récupérer ou tu ko reconnaître ngo ils ont kené sikoyo ko récupérer wana ça quand il fait ça pour ça musala oui ko récupérer wana Toujours avancer, c'est vers Bounagana. Ce qui peut être comme après à Bounagana, peut-on récupérer Mbokanyo surtout. Et
Là, on aura fini, tout le travail est déjà commencé depuis bien longtemps. Mais le M23, c'est que la population rentre dans la ville, dans la ville, dans la ville. La population a yébi que wana baza ba rebelle. Ça pour mettre en sécurité. Non, la population a yébi que wana baza ba rwandais. Wana baza ba rwandais, baza na garantie à repé sa bamote tant à leur sécurité. Hein? Et encore que c'est vraiment déplorable que Naoki, un prétendant na présidentiel Oyo, Ezali Koya, Yakolobake, Moïse Katumbi fait à ce sala, dans la vidéo on avec beaucoup de regrets. Alobi que il parle des communautés. Mm. Communautés congolaises, que toutes les communautés congolaises vont vendre. Ni Ndeko. Na Kinshasa, dans Congo Kinshasa, au Congo démocratique, nous n'avons pas de communautés. Ici, il y a des ethnies, il y a des tribus. Mm. Hein? Ce qu'on veut prétendre qu'on brigue. Présidentiel mandat na présidence ko ça là va confusion en été ici il y a pas de communauté longo la mutu na yo na bato bazo penser on peut ça conseil bolongo la mutu que il y a des communautés, il y a des ethnies et puis il y a des tribus ici au Congo. Toi makamba ba communauté, les communautés c'est quand un groupe d'individus ou outil quelque part bah, se retrouver dans Mboka Mokoboué. Vous pouvez parler de la communauté Banyamulenge par exemple. La communauté Banyamulenge Bazali communauté parce qu'ils sont venus d'ailleurs. Mais ici au Congo, nous n'avons pas de communautés, nous avons des. Si autant aux autres Sakabiso que non, les problèmes de guerre, la guerre à l'Est, c'est un problème des Congolais avec des Congolais. Non! Ici, tout le monde l'a reconnu, même le pape l'a reconnu, que c'est les Rwandais qui agressent les Congos. Du haut de la tribune des Nations Unies, le chef de l'État l'a martelé, les Rwandais agressent les Congos. Même ici, hier, en Afrique du Sud, le chef de l'État a souligné que les Rwandais agressent les Congos. Vous voyez? Donc, c'est un pays où le dirigeant a ce charme à Kanaé, n'a pas la guerre, qu'on a déstabilisé le pays à Batou. Et voilà. Donc, ici, tout ça dans mon contexte, il y a Rwanda a agressé RDC, mais non que le Barake, Congo, et ça a un problème entre les Congolais. Quel est ce Congolais qui a été comme thème? Il y a un bon macan de Kanaé, il y a un machette, il y a un bon macan de Mindouki, il y a un bon macan de Batou. Donc, nous comprenons que le silence des autres aux opposants aujourd'hui, qui prétendent briguer la magistrature suprême, Bazali n'a agenda caché et donc on découvrira peut-être plus tard avec leur dire parce que bah nous déjà Kobima, tout le monde y a un tout ébi que ils sont pas même langage avec les Congolais. Moi l'amboka, tu recommandes sur l'émission, mais tu recommandes cette émission de ce que Betty Makambo, il y a l'UDPST 6 ans jour pour jour au FIMPS. Le père de la démocratie Ndembo Benga Kaye, Asiya Kotika Biso. Est-ce que l'UDPS, avec Tshisekedi du père et l'UDPS sans Tshisekedi du père, comment est géré cette l'UDPS? Oui, merci beaucoup. L'UDPS, c'est l'état d'esprit. Tshisekedi a salaka à l'école, à sa l'école, ba moussou soupe, ba zan ba parti moussou sou, moussou soupe, ba zan akate FCC, ba zan akate FCC, ba bima pe yon akate l'UDPS, ba kenaye kola nan la bango. Mais il y a un peu de temps, il y a un peu de idéologie, c'est-à-dire qu'ils ont manifesté leur idéologie, pas de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de minerai et de la richesse en boca. Si on se rend compte que tout est acquis, mais il y a une souveraineté, et pas de papaya. Il y a des gens qui ont été IDPS. Parce qu'ils se sont rendus compte que la vraie école politique, c'était l'UDPS. C'est l'UDPS. Alors, Étienne Tshisekedi a géré qui est parti, a géré qui est parti. C'est-à-dire que le pouvoir revient à la base, c'est-à-dire que y a un truc là, c'est la base, mais ça la fondation, fondement est solide, il y a parti, mais la, tout en respectant la hiérarchie par rapport aux dispositions, il y a article 65, donc quant au régime disciplinaire, donc il faut que tout cet article 65, qu'on a balobi respect à la hiérarchie, mais hiérarchie à s'appuyer à la base, ceux qui ont pour menacer la hiérarchie au côté de la base. Donc moi, comme la hiérarchie vous allez et force il y a parti et vani la base. Moni, il y a un
pyramide renversée. C'est-à-dire que le pouvoir est où c'est car on est que chef à lobby, population a goma réagi, gouvernement a causé là, makamo population a lingi. C'est ça inversion. Il y a système lingi à la raquette, base des mutu ezali na monopole. Il y a orientation. Mais si kuyo, mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oh ezali produit naturel. Il y a feu Étienne Tshisekedi, docteur Étienne Tshisekedi. Oyo atikelaki biso système ya démocratie, oyo alakisi biso lolenge ya kotambusa mboka, lolenge ya kosala et saleli na ye, voilà, nous saluons que ezali vraiment d'application avec son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oyo azali kokamba yango, kokamba mboka par rapport à la vision de l'UDPS et les autorités de l'UDPS, la hiérarchie de l'UDPS qui gère les partis au quotidien. Kakandenge Étienne Tshisekedi à Salaka Moussana. Très bien, mon Amboka, c'est toute une histoire concernant la gestion de l'UDPS avec sous Étienne Tshisekedi, peut-être avec le temps, la chaîne la plus suivie de l'Internet, comment la télévision pourrait s'organiser pour parler de l'histoire d'Étienne Tshisekedi, parce que le Étienne Tshisekedi les années 40-30 minutes, oui. Vu que la télévision est Ngonga, donc comme dans ce cas l'émission, j'ai plus de 151 000 abonnés avec ce coach Rolandao. Message à l'Europe, ça va travailler avec le Congo. Message à l'Europe, ça a adressé à l'autorité, à la police, à l'armée. Kota la ke ba service renseignement na ba coin mingi baza ebele bazali ko terroriser batu ko traumatiser batu hein etika ba veina na ba situation wana otali na rond-point oyo outi na campus po kitana na bypass otali na nzela ya na Bitabe na rond-point na marché Bitabe na ngambo ya station wana na ngambo ya station na côté ya Ya Njili, Otali, na bakouen mingi, na victoire, place victoire, un désordre terrible. Donc, ce qui, bakondi à la police, mingi, général Kassomo, ce qui, okoye ko se penché dans le Kambouana, VPM intérieur, ce qui, boko kotalango, et ozala kitoko mingi. Merci à vous, merci à tous les Congolais qui sont, au Nazo Yipsabango, bozala, la confiance au gouvernement de la République, Oyo, dirigé par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, pour Pessa, Kimia, Pé et Sengona, Congolais, nous sommes partout. Mbote Ming, Nabino et Paye Bozali. Merci. Ming, Mwanamboka, Frama, nous on rappelle que vous êtes membre de l'UDPS. C'est avec vous que nous avons eu à débattre toutes ces questions d'actualité. Toi, la République démocratique du Congo, encore une fois, merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup à vous. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова